des louanges, des chants d'adoration poussés de cris de joie. Voilà autant d'émotions grandioses dans lesquelles les hommes de ce temple de l'Assemblée de Dieu, de ce coup de nous, ont été célébrés ce dimanche à travers la fête nationale du département des hommes. Une journée festive commémorée chaque premier dimanche du 8e mois de l'année pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles durant toute une année sans pour autant connaître les méfaits du diable. Une réjouissance démarrée dans la matinée de ce dimanche avec au programme des interprétations, de chorégraphie et une forte sonorisation musicale traditionnelle. Et s'ensuit la prédication du jour intitulée « Lève-toi et marche » tirée de la Sainte Bible Jean chapitre 5 du verset 5 à 8. Si ce matin tu es au milieu de nous, et que tu n'étais pas encore levé et marché, oui, levé et marché, ce n'est pas venu danser seulement, ce n'est pas seulement chanter. Un moment solennel au cours duquel ces fidèles hommes et femmes n'ont point cessé de témoigner leur gratitude envers le Père Céleste à travers des actions symboliques, à ne point en finir toujours dans l'œuvre d'agrandir le temple de Dieu pour le bonheur de tous. Les hommes ont vraiment fait un effort, ils se sont donnés pour l'œuvre de Dieu et on a senti qu'il y a vraiment la vie dedans et leur thème aussi se fait voir dans leur journée. Un challenge gagné par les hommes à travers cette action de grâce, avec une enveloppe de 150 000 francs CFA, contrairement à celui des femmes célébrées il y a de cela quelques semaines, dans ce même temple. On ne savait pas que cette fête serait aussi grandiose, mais par la force des choses, le Seigneur nous a surpris miraculeusement, et les gens étaient tellement contents. On ne s'y attendait pas, mais par la grâce de Dieu, les hommes nous ont surpris, par les forces. Les hommes sont toujours la tête et dans la queue. Une célébrité que personne ne s'y imaginait, à ce degré d'intensité émouvant, qui visiblement ne cesse d'impacter les femmes, comme la présidente du département des femmes, qui a voulu nous donner ses impressions en langue locale. Awon lemi mo ko yo gbon egbe diyan papa papa wa ino gbendo me tegbe en bo chef de foyer je yin tegbe bon vode ou. Une parfaite joie animée également par le président du comité d'organisation, qui s'étonne de ce plein succès. Une journée festive qui vient marquer la troisième édition de la fête du département des hommes dans ce temple de la victoire de Soko Deno, un démembrement de l'église de l'Assemblée de Dieu, basée dans le nord du département de l'Atlantique, plus précisément à Alada.